Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue au sous TV La Caille. Nous comptons avec vous pour nous porter une vidéo ça pour vous. Et nous souhaitons donc déjà bon week-end à tous si là. Tout fanatique, compatriotes, amis de partout, et nous avons bon week-end déjà. Et profitez week-end nous et surtout faites très prudent. Et parce que nous sommes comme un Haïtien et nous souhaitons moun ki et donc à l'étranger autour, c'est toujours même bagarre là parce que pays moun pas pays nous obligé prudent dans tout sens. Et bien nous porter un pile détail pour vous surtout sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Et bien Pierre Espérance Gaillon là, yo ta joine Léon Charles ancien DGPNH là, t'a parlé pendant plusieurs fois avec des nan assassin ça dans même jour président Jovenel Moïse, eh bien, t'a assassiné dans date 6/7 juillet 2021. Eh bien, tout détail, Léon Charles t'a semblé pral en bas code là, dans le jour cap vidéo là. Tout détail était dans la vidéo, on a tourné. Antonio et Palacios, est-ce que l'information, Jean Gain, là, et Pierre Espérance, laisse comprendre effectivement, c'est monsieur qui tirait sous président? Non. Mbaka dit que nous avons une information que c'est monsieur qui tirait sous président. Et ça m'a donné comme information, groupe PALA, lié les Delta, équipe PALA, qui a gagné 5 mounes dans parce que, j'ai moins dit avant ça, avant nous monter de la voie, mais nous avons monté de la voie ensemble avec nous. Bien entendu. Et Colombien, yo ont environ une vingtaine, ils ont formé 4 équipes, et 5. Gain là qui a gagné un plan, et Jean-Ouer Palacios Deal, dans déclaration li et by FBI la gen la dedans qui te gen plan pour et arrêter Jovenel et gens américains utiliser terme kidnapper et gen la dedans pour quitter là pour tuer équipe papa la sur ça c'est Delta et Delta t'es rentré dans chambre là t'es là et comme lui même ils sont capitaine par contre si lui-même et c'est lui-même qui t'a coordonné l'autre chose mais parce que par contre qui si pas de bon pigou ou gradé t'es là ouais mais c'est l'équipe par là qui entre dans la chambre là et qui tue Jovenel et c'est eux-mêmes qui fait premier photo et cadavre pour assis pour voyez bah pour montrer mon yo que mission il y a compris. Maintenant, on regarde les cas par la sur ça pour avancer sur le point de l'annonce tout à l'heure là. Par la sur devant la justice américaine, là, qui déjà avancé ce dossier, grand juge. Non, content, oui. Oui. Content, grand juge Captain Del. Maintenant, les risqués pour le vieux non-condamnation. Et bon, on dit le risqué. On ne sait pas, on a pris des dossiers à avancer. Et on regarde les cas de figure. Il y a condamné. On regarde les cas de figure, les condamnés. Vous pensez qu'il y a capable de faire une condamnée et puis vous êtes bon en Haïti pour le juger encore? Parce que, en principe, on doit, qui dit, on n'est pas capable de juger pour, deux, pour un seul fait deux fois, non? Bon. Et. Lui. Planifier crime, non? Il était commencé à planifier assassinat aux États-Unis. Et crime, non, c'est Haïti qui le fait. États-Unis capable de juger lui. Et puis avec collaboration. Que M. Bay pour ça lui fait et aux États-Unis et mais en Haïti et faut les États-Unis t'avoyer venir pour répondre des actes qu'il fait et en Haïti donc qu'on y est là c'est et nous bon à la vérité dans plusieurs cas et faut qu'on reconnaisse ça que il y a des monde et yo et arrêté aux États-Unis ou bien yo arrêté en Haïti pour question de drogue yo voyé aux États-Unis à après yo fin pigé peigno yo voyé retourner yo pas continuer poursuivre en Haïti parce que pas de bon dossier. Mais dans le cas par la sur ça, grand dossier est en Haïti et crime c'est en Haïti qu'elle fait. Et mais avant par la sur fin pigé tenni, il commence à collaborer et population haïtienne là, le monde a connaît à ça qu'a prend quelques jours, quelques mois, monde qui paye pour crime là. Et si gagne
m'pensez, des moun qui planifient crime aux États-Unis, qui ta citoyen américain, haïtien, ou bien de l'autre nationalité, ou bien qui quitte Haïti après crime qui allait aux États-Unis, avec arrestation par la science là, yon pas capable pas de diarrhée, je ne vous dis. Hein. Ouais, yon pas capable pas de problème. Donc c'est ça que fait, nous dit, nous réjouis le fait que la justice américaine rentre dans le dossier parce que et crime ça a commencé à planifier, assassinat ça a commencé à planifier aux États-Unis. Sous territoire américain. Maintenant, ça permet nous tout entrer dans le travail de la justice, pas Maurice Lafayette. En Haïti avec Gary comment est-ce qu'il a dit ça? En Haïti? Oui, la justice haïtienne. Non, pas rien. Moins doué, pas rien instruction ni enquête, non. Bon. Et au niveau des CPJ, t'as fait. Bon, juge d'instruction sur ce dossier, oui. Oui. Gary aurait bien. On connaît. Oui. Mais pas rien instruction. Mais ça l'a fait là avec le dossier là. Bon. Il n'y a pas du tout ce dossier là? Non, c'est pas le fait que j'ai attendu le monde ou bien il y a des gens qui ont été arrêtés, les libérés et puis. Et qu'on y a pour on dit j'ai bien sûr pas d'instruction la fête pas d'instruction donc et sous question et libération parce que c'est important pour moi dire un bagage sur ça il y a 4 policiers qui est libéré depuis alors l'autre là-bas depuis le 31 décembre 4 policiers ça regarde toi là dans ces policiers IGPN qui juge a été arrêté le 25 septembre 2021 jour et Vladimir Varezan est dans et cabinet et d'instruction c'est juste ça l'arrêté c'est juste ça l'arrêté mais et dans enquête la police judiciaire des CPJ et rapport et il y a pas fait état de trois monde ça et l'autre là c'est responsable et quatre teams là et qui ont été arrêtés dans quatre dossiers ça et Amazon? Quatre teams pour population c'est une dans unité n'a pas l'air et l'organe et rapport RNDDH là. J'en nous présenté unité spécialisée, unité qui n'a pas l'air, pour regarder sous Jovenel Moïse, ni CATIM et ni ISP qui n'ont pas représenté rien, c'était IGPN. Et dans l'enquête là, nous pas trouvé côté et responsable CATIM là, qui est impliqué dans le dossier ça. Naturellement, et les hommes ou responsables une unité ou bien un poste de responsabilité et puis ou ouais que ou pas faire rien yo pas bon travail pour faire et ou ouais n'importe bagarre capable briser pas rien l'autre bagarre pour faire c'est pour démissionner c'est pour aller corps ouais li et celle ça nous capable reprocher li li pas de rester côté lié parce que pour gens et sécurité yo trois unités ont venir dans palais national. C'est celle IGPN, donc ni un monde qui est responsable 4 teams, ni SP, pas de rien qu'elle tape réglé. C'est Civil Lagel avec Dimitri là qui te gain commande 3 unités ça et c'est eux-mêmes, c'est ils fait ça ouvre et c'est eux-mêmes qui t'accordent des joies avec unités ça pour pas faire rien, pour pas répondre avec les monde qui vient attaquer. Président. Ou souligné dans le document, et Pierre Espérance, ou dit, magistrat, et c'est ce que vous avez dit là, c'est pas parce qu'il y a des quelques monde qui fait la peine sur le dossier, ou estimé que pas gagné instruction, pas gagné enquête qui a mené sur le dossier, mais parallèlement, ou dit, au lieu pour juger Gary Olier, t'as fait travail, lui-même avec greffier, lui, ou cité non greffier, Élisée Cadet, c'est menace, c'est intimidation, il a fait à un responsable de firme, et qui a machine et tout, que le déloué, et c'est compagnie, au lit d'Amis Ab dirigé, il a fait des menaces, et il y a même, demande qui t'a fait beaucoup côté responsable pour Paris ça pour le tabac et machine à greffier. Mon cher, si nous avons un acheté pour nous avoir un montre preuve que nous avons en main sous greffier ça, Élisée Cadet, qui dit que c'est pour juger le travail, on va mettre des mains à tête. C'est chargé. Et j'en ai dit dans le document, on résume que nous faisons. Mais, et nous avons dit plus, et nous avons l'autre toujours. Côté greffier, assez les mondes.
m'en décode. Et ça t'a étonné, nous, pour Gila, pas ta connaît, parce qu'il dit c'est pour Gila, la travail. Mais même tantôt, même tantôt, M. Espérance, c'est pas parce qu'il dit que travail pour Gila qui fait Fondakwel sous parole que la travail effectivement. Pour Gila, il n'y a pas de travail pour Gila. Et intimidation, mandécob et renseignement qu'il a fait, ça veut dire que c'est pour juge là effectivement l'affaire. Ou bien est-ce qu'on a une preuve que c'est pour juge là l'affaire ça, les juge là de connivence avec lui. Eh ben il y a une amène. Nous en pile l'amène. Oui. Nous en pile et mais nous pas bail toute information c'est le coup. Non, mais surtout dans tout dossier, hein, ouais, et particulièrement sous et au niveau cabinet d'instruction, sous comportement greffier avec Gija, nous gain en pile. Et tout ça, ouais, nous dit, soit dans un document, dans un communiqué pour la presse, dans dossier ça, ou bien dans une interview, et nous gain preuve pour eux. Et donc, dans le cas qu'on a, sous question posée à Naka Elise et Kadea, et sous cas ça même, ça nous prenons un exemple, nous prenons une, nous avons mis même 5. Nous avons mis même 5 dans le document ça. Mais nous mettons une toujours. Et nous espérons que nous demandons pour le juge clarifier la situation ça et rapide. Juge d'Arioréunien, parce que sinon, nous venons avec plus. Et nous gagnons pour nous dire plus. Donc, monsieur, n'est-ce pas tellement à l'aise? L'image de mettre location pour mettre une machine pour nous. Prévio là, oui. Oui, parce que c'est ça que je vais expliquer dans le document. Où dit Élisée KDA, qui s'est greffier juge Aurélien, il y a loué 9 décembre 2021, il y a loué responsable compagnie. Oui. Au Lidamus, oui. Lidil, je suis capable de faire casser mandat juge d'ATPT contre moi, un an, oui. Ou virer sous nom mon machine. Oui. Est-ce que NDDH t'a parlé avec juge Aurélien sur ça pour lui dire, mais qui s'agriffe la fait, est-ce qu'on au courant? Bon, ça m'est capable de dire, toute information que nous mettons dans le rapport ça qui concernait. Au monde, depuis mon nom là, nous essayons de contacter lui. Bon, il y a des fois où parler ou contacter, il n'y a pas parlé, il n'y a pas voulu parler. Et, mais il faut que nous tout, nous avons trop de preuves dans nous, sous ça qu'on fait dans le dossier ça. Et, côté que tout, nous parler avec juge là sous plusieurs et bagailles comme ça qui vivaient déjà et nous parlons moyen et fait non seulement il nous dit avec lui bien tout nous dit déjà publiquement. Ça veut dire, si je comprends, en plus de ça, on va parler là, qui c'est bon, ça c'est la corruption, et que greffier Élisée Kadé, greffier juge Gario, il est à fait. Il y a l'autre monde qui a essayé de rançonner, en enquête toujours? L'autre session? Oui, moi, nous avons pris 5 exemples en ça. Oui. Nous avons pris venir avec 5 monde, 5 cas. Mais nous prenons une. Et ça, où est nous avons dit, ça, nous dit dans le document. Si vous passez dans RNDDH, l'autre monde n'a pas besoin de passer, non? Et j'aime dire l'autre monde, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème pour nous partager avec le monde, la presse, et faire ouais, ça nous gagne des informations, mais nous pas dans le monde qui a monté. Parce que y a un problème qui vient, c'est que nous n'avons pas lu les documents, et puis il y a gardé les documents, et puis on fait commenter. À partir de yon tweet que yon moun fait de yon document. Mm-hmm. Ou recevoir un rapport RNDDHIL ou Lili et puis ou poser question sur rapport. Ou est parti sur parler là, mm-hmm. Sous passer dans RNDDH, on pense que ça, ka, ou pouwe ça, l'eau ka sot nan zéro, pouwe nan qui état la justice pays nouye.
un dossier qui est aussi important comme ça, que un cabinet d'instruction a mené une enquête. Et puis, pour ouvrir toutes les autres ailleurs, donc, on va demander tout. Et si dans le niveau ça, pour un ancien président de la République, li comme ça, et ou même, et cinq citoyens, et Moun Belè, et Moun Matissan, et Moun Cité Soleil. Non. Yon rapport moun yo kapab e an li perspérance. On finit avec quelques recommandations ou faire avec RNDJ sur dossier ça rapidement. Espérance. Recommandations yo? Oui, oui, quelques là-dedans yo, rapidement. Ah, ok, très bien. Et pour recommandations yo, nous pensons que l'important pour DCPJ pour DCPJ reconnecté avec l'institution ça. Il faut des explications qui baillent dans la société pour qu'ils soient celles où que toute institution ça, juste avant l'assassinat, ils ont déconnecté, ils vont reconnecter, ils vont baillent DCPJ et accès. Ça, c'est important. Et pour DCPJ continuer à enquêter, il y a sous institution, les transactions qui étaient faites dans l'institution bancaire pour qu'ils soient capables de jouer les gens qui payaient pour le crime. Et puis tout, et pour nous connaît qui s'est passé joie au niveau des chaînes sécurité à n'en plus au niveau c'est vrai non les comme yo gagne et Dimitri là avec Civil Laguerre qui ramène et la justice haïtienne mais et gagne de l'autre monde dans chaîne sécurité à tout et qui est concerné et sous question supplément d'enquête là et même laisser vrai et juge là pour combattre commission rogatoire mais c'est pas